Salut, j'ai plein de choses à vous annoncer. Évidemment, vous vous en doutez, c'est la vidéo de l'update. Donc, y a des choses que je sais depuis hier, mais j'ai posté plutôt des choses sur Discord parce que j'avais déjà une vidéo de prévue, voilà, pour vous demander, pour demander qui voulait co-décorer ma maison ce week-end. Donc, je termine un petit peu de vider la maison et puis on va se diriger vers l'endroit où va se passer l'update. Ah tiens, j'irais bien en carrosse citrouille, tiens. Faut que je suis une sorcière quand même, il faut que je me déplace. Je l'ai pas là, tiens. C'est bizarre, ça. Bon, c'est pas grave, on va y aller en roller, on va dire que je suis une sorcière moderne. Voilà. Allons pas très loin en fait, puisque l'update de ce week-end va se passer ici. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais nous allons avoir de nouvelles installations pour nos animaux. Alors, je trouve que c'est plutôt chouette parce que l'air de jeu est plutôt tristounette, je trouve. J'avais adoré par exemple à Halloween quand elle avait été transformée en cimetière. Je ne sais pas si vous étiez déjà là. Et franchement, quand on était revenu à l'aire de jeu normale, c'était un peu, un petit peu décevant. Donc, je suis contente que cet endroit change, voilà, devienne un petit peu plus adapté. Donc là, je vous montre en fait, quand je tweete, ça va directement sur mon serveur Discord. Donc, si vous voulez être prévenu, eh bien, un peu en avance, parce que là, c'est plus pratique pour moi de le dire. Eh bien, je le poste là. Donc regardez un petit peu à quoi ça va ressembler. On va pouvoir faire entrer regardez, les animaux là-dedans. Alors je ne sais pas trop comment ils vont faire. Il y aura sans doute des choses à cliquer pour indiquer à l'animal de passer là-dedans. Je ne sais pas trop, de sauter, de... Bon, alors là, c'était vraiment une version un peu test. Et apparemment, ça ressemblerait plutôt à ça. Alors si on observe mieux l'image... On peut voir que bien, il y a toujours les trampolines, les ballons et les comment ça s'appelle, le toboggan et les balançoires. Mais il y a d'autres petites choses. Alors certes, les petits trucs, le parcours, on va regarder un peu plus tard. Mais regardez-moi ça, il y a une petite maison dans les arbres là-haut. Alors est-ce que ça va être comme ça? Je ne sais pas. Hein. Et puis autre chose que je vous avais annoncé, donc ça c'est le petit parcours d'agility. Mais un autre truc que je vous avais annoncé et je pensais que ça allait être pour une update de pirate, regardez ces arbalètes lance-bébé. On a déjà le canon. Je ne sais pas si vous avez déjà testé le canon qui nous propulse. Vous le voyez dans la vidéo de la maison de sirène. Ça a été installé et on est effectivement propulsé par le canon. Mais voilà, il y a ça et une grande balançoire géante comme on avait à Halloween. Donc, alors écoutez, je trouve que ça a déjà beaucoup plus d'allure. Je suis super fan de cette update. Là, je la trouve plutôt sympa. Regardez, là, du coup, quand on revient dans l'ère de jeu normale, ça semble. Bon, par contre, le truc des parcours d'obstacles, là, les hobbies sont toujours. La petite cabane, là, c'est toujours présent. Et je suis toujours aussi nulle. Voilà, on peut l'avouer. C'est pas un problème. Bon, alors autre chose que je voulais vous dire, et ça a son importance, alors vraiment, j'espère que vous quittez pas mes vidéos en cours de route, parce que sinon vous allez peut-être rater cette info. Alors attendez, je vais enlever mes patins. Ça, c'est le problème des patins, c'est qu'ils sont un peu compliqués. Enfin, compliqués, non, mais il faut retourner dans le sac à dos pour les enlever. Enfin bref, la deuxième chose que je voulais vous annoncer, et c'est peut-être pour ce week-end, je ne sais pas, c'est que nous allons avoir de nouveaux œufs. Alors, il n'y a pas de date, mais toujours sur Twitter, on nous a prévenu de ne pas oublier de faire le plein de farm eggs si jamais on n'avait pas tous les animaux dont nous avions besoin. Et c'est mon cas en fait. Je n'ai pas tous les animaux de la ferme. Voilà. Alors, bon. On peut aussi avoir plutôt envie de s'acheter d'autres œufs, hein, parce qu'ils sont quand même chers, entre guillemets, 750. Mais quand on est comme moi et qu'on essaye d'avoir tous les animaux, au moins en version normale,
puisque je ne cours pas après les néons. C'est une question qui m'a été posée, tiens d'ailleurs, est-ce que j'ai des néons? J'en ai quelques-uns, mais en fait, c'est pas forcément ce qui m'attire. J'essaie plutôt d'avoir tous les animaux. Il y en a que j'aime beaucoup, qui ont été compliqués à avoir. Le chat rose et le chien bleu, par exemple. Après, les autres, bien, c'est au fur et à mesure du jeu. Alors, regardez, il me reste le cheval, il me manque le cheval, mais bon, ça s'achète avec des Robux. Donc ça, c'est pas tout à fait un problème. Vous savez que comme je travaille, eh bien, je m'accorde le plaisir d'avoir quelques Robux. Mais regardez, voilà, dans les animaux de la ferme, il me manque le corbeau. Et puis sinon, à part ça, bien, il me manque le golden penguin et la reine des abeilles. Ça, je l'ai déjà dit en vidéo, c'est quelque chose que je pense avoir en trade, je ne sais pas, lors d'une update. Où c'est comme ça que j'ai obtenu en fait ma licorne, je crois, et d'autres animaux, la girafe peut-être aussi. Voilà, en faisant des trades avec quand il y a des updates et quand il y a eu le Santa Dog par exemple, ou ce genre de trucs. Donc voilà, c'est ce corbeau. En plus, je trouve que le corbeau serait bien assorti, même si mon Shadow Dragon, mon ombre, eh bien, me convient tout à fait pour jouer à la sorcière. Alors, je sais pas, j'hésite. Est-ce que j'achète des farm eggs? Mais j'aimerais bien garder mon argent pour ce week-end pour la co-décoration. Donc, je suis très embêtée parce que je préférerais en fait que mes co-décoratrices de ce week-end et suffisamment d'argent. Vous la sentez, la grosse hésitation? Là, j'aimerais tellement en fait qu'on me l'offre. Oh, bonjour jeune homme. Oh, que vous êtes charmant. C'est Valentin. Mais on est un jour en avance, monsieur. Il arrive avec un corbeau. Ok, je crois que je lui ai tapé dans l'œil. Regardez. Oh, oui. En fait, là, il est en train de me dire que le corbeau est à moi. Mais que comme il est très timide, eh bien, il n'ose pas rester trop longtemps. Ah, d'accord, eh bien, je ne sais pas quoi dire. C'est vrai, il est à moi. Comment je peux le savoir? Valentin, il parle pas, en fait. Oh, je peux le prendre. Alors que nous ne sommes pas dans la famille. Oh, c'est génial, j'ai pas besoin d'acheter d'œufs. Et comme ça, je peux avoir tout l'argent pour mes co-décoratrices. Oh là là, mais merci. Oh, je sens qu'il est très très mal à l'aise. Je m'approche peut-être trop. Voilà, il faut tout de même avouer qu'il est charmant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, eh bien Valentin, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Est-ce que vous voulez qu'on aille boire un verre? On va... Oh là là, il s'échappe. Non mais Valentin, revenez. Bon, je vais lui courir après, hein. Excusez-moi. Oh là là, regardez, c'est trop cool, j'ai mon corbeau. Attendez, bon, je vais quand même aller rattraper Valentin. Il faut que je le remercie. Je sais pas, que je lui offre quelque chose en retour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est adorable. C'est un jour en avance, la Saint-Valentin, c'est demain. Est-ce que vous allez la fêter, vous, la Saint-Valentin? Oh, Valentin, vous êtes encore... Oh mais non, mais ne partez pas, Valentin. Oh là là, bon, il est parti. J'aurais bien aimé, je sais pas moi, aller discuter un petit peu avec lui. Bon, peut-être une autre fois, peut-être demain justement pour la Saint-Valentin. Comme ça, ce sera sa fête. Peut-être qu'il sera un petit peu moins timide. Je suis en train de penser là en voyant les cadeaux que sur Discord, j'organise chaque semaine un concours d'avatar, un concours de look. Voilà, ça a été proposé par les abonnés. Et il y a à gagner le cadeau énorme, attendez, où est-ce qu'il est? Celui-là, là, le violet, le cadeau énorme du Père Noël. Et là, j'ai bien, vous avez vu, il y a le hoverboard à nouveau. J'ai bien envie d'essayer d'en gagner un. Pour vous, évidemment, moi, vous avez vu, j'en ai déjà un. Alors, bon, encore cet unicycle pizza. Est-ce que quelqu'un en veut de cet unicycle, vraiment? J'en fais plein. Ok, une corde. Alors ça, c'est pratique pour faire pour que son animal ne bouge plus. Regardez mon corbeau, paf, tu bouges plus. Alors attendez, je vais descendre de ce truc parce que c'est rigolo, mais après on n'y voit plus rien. Et
Oh, un poulet. Alors c'est drôle parce que le poulet c'est vraiment un truc rare. J'en ai fait plein. Oh, super! Alors ça tombe super bien parce que ce week-end, pendant que mes comparses seront en pleine décoration, eh bien, je pense essayer de, comment dire, de m'occuper de leurs animaux pendant ce temps-là. Voilà, ça fera une petite expérience de pet sitting et voilà, je vous ferai une vidéo comme ça. Ce sera la double vidéo, la vidéo du pet sitting. Voilà, je viens d'acheter un cadeau. C'est parce que cette semaine, il y a quelqu'un qui a gagné. Le panda sur Discord a gagné un gros cadeau pour son. Oh, regardez, il y a Valentin qui est là. Il se cache, le coquin. Bon, bref, le panda donc a gagné un cadeau énorme du Père Noël, donc vu que j'avais utilisé tous les miens. Mais c'est chouette, j'ai eu une poussette triple et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de commenter sous la vidéo de la co-décoration. Je vais choisir, je pense, 5 personnes. Voilà, pour co-décorer la maison. Salut!